Maya, ça peut être fort. Ouais, lituanien, ça peut être bon aussi, mais non, je pense que je vais partir sur Maya, en vrai. Ah, ben non. Maya, Maya, Maya. Ça va être chaud, hein. Maya War, je donne pas cher de ma peau, hein. Pas sûr que je sois au top. J'espère au moins gagner une. Je vais donner tout ce que j'ai sur celle-ci. Oh. Dans tous les cas, au moins on a la médaille d'argent, ça c'est assuré. J'aimerais bien au moins en gagner une, ça serait pas mal. On va voir si on peut faire l'exploit parce que, comme je disais en début, c'est mané, c'est quand même un gros morceau. Je pense que sur la première, j'ai un peu joué de malchance peut-être sur la map. Sur la deuxième, j'ai eu des mauvais timings. Il a joué un peu de chance sur certains trucs. Il a eu quelques bons moves. Pour lui, il y a des trucs qui n'ont pas joué à ma faveur. J'ai perdu quand même pas mal de villageois aussi. Trois villageois, je pense qu'il wallait. Alors que lui a réussi à ne pas perdre de villageois, c'est la différence aussi. Mais on voit clairement que c'est un autre niveau, hein. C'est un autre niveau que Uzi par exemple. Après, il a peut-être juste bien anticipé aussi ce que j'allais faire. Justement, c'est le premier pick qu'il a fait, je sais pas. Premier pick qu'il a fait, il savait que j'allais prendre Malien, j'ai l'impression. Il a fait avec Espagnol. Seconde, il savait que j'allais prendre Perse. Il m'a contré un peu avec. Oh, il savait que j'allais prendre Espagnol plutôt. Il doit avoir un sanglier ici, j'imagine. Je pense qu'il doit en avoir un ici, peut-être. Un ici, ok. Ça, je vais pouvoir aller le chercher, c'est certain. Je vais aller scouter quand même avec un villageois. Ah. Je me demande s'il est pas dans le coin. Sûrement. Si je viens de trouver. Des moutons. Est-ce qu'il va faire un fast castle et faire des moines, pas des moines, mais des plumes? J'imagine que peut-être que oui. Est-ce que si je pars sur l'eau, Féo, je peux prendre l'avantage? Oh! Tous les cas, on l'a trouvé. Et ici. Ça, c'est bon pour nous de l'avoir trouvé. Ok, sanglier ici. Trois sangliers, c'est amplement suffisant pour AP. J'ai pas besoin d'en trouver plus. Voilà, il va voir mon villageois. Ouais. Il a dû faire son port dans ce coin-ci, si le villageois qui revenait était là. Donc, ça veut dire qu'on va être assez agressif, je pense. Il a de la pierre ici, moi j'ai de la pierre ici. J'ai de l'or là.
J'ai de la pierre là, en fait. Ah. Ah, j'ai la pêche un peu plus près que j'aurais pu prendre. En soi, c'est pas si grave que je l'ai pas prise là. On va se mettre bien. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour OP? C'est ça la question aussi. On va idle un peu le TC. Je vais OP le plus tôt possible. Voilà. Et chercher de l'or. Pas vous deux. Je vais essayer de me wall du mieux que je peux. Essayer de l'empêcher. Je sais pas ce qu'il va faire. S'il fait un fast castle, je pourrais être dans la merde. Je sais pas si c'est ce qu'il va privilégier ici. Ouais, sur Nomad, pas le choix. Faut waller un peu sur Nomad. Est-ce que je pars sur. Ouais, peut-être cette fois-ci, je vais partir sur. 3 parts. Je vais faire le troisième un peu plus haut en fait. Je vais pas tout de suite l'envoyer là. Est-ce que c'est ouvert encore quelque part? C'est ouvert là. Parfait. Okay. Ok, je pense que c'est un FC. On va quand même commit sur l'eau. Mais on va juste retirer quelques villageois. Je sais qu'il est là en fait, c'est le truc. On va retirer quelques villageois de l'or, on va faire une transition directement sur le... sur la bouffe. Tout de suite sur la pierre aussi. Il est dans ce coin-ci. Ah! Peut-être pas finalement. Ah, il est là. Sur ces fiches. Après, avec avec Maya, est-ce que tu as besoin de beaucoup de bouffe? Pas forcément. Peut-être ça que j'ai mal géré là-dessus. Là. Ah, il est en train d'OP. Est-ce que dans ce cas, je ferais pas juste des murs de pierre histoire d'être vraiment safe? C'est une drop château. Envoyer plus de villageois d'ailleurs ici. Ah,
Okay. Merci pour le follow. Juste s'assurer qu'il a pas fait part en sneaky quelque part d'autre. Parce que j'ai vu un bateau de démolition qui a pop. Continuer à prendre. Évidemment. Je pense qu'on va être assez safe, hein. Il aime bien faire des FC, ça c'est sûr. Voilà le château. Je vais faire mon château sur la colline ici. Déjà, je vais avoir la position. Ça va être bon pour moi. Je vais passer assez rapidement à l'impôt aussi. Prendre l'avantage de la colline. Il n'a plus de bateau de pêche. Alors que moi, j'ai toujours les miens. On va même la faire ici. S'il fait par contre... Ah c'est ça. J'ai mal géré mon truc là. Ok, là on est bien placé en fait. Ah, là-dessus... Vraiment, je vois mal... Je me vois mal perdre là-dessus. Là. Vrai, à moins que je potato complètement. J'ai un bon avantage. À moins qu'il soit déjà en train d'opé. Ça... Si c'est le cas, ça pourrait me faire mal. Mais je... Il me semble que ce serait trop rapide. Je crois pas qu'il peut. Ah, ici. Un port. Ça, je dois m'en occuper par contre. Je vais venir déplacer les bateaux. Prends des baies en tout cas. On va hopper. Dès qu'on peut. Je sais pas s'il a déjà fait les up pour ses bateaux. Il a un peu de pierre. Ah, il a fait les up. Déplacer ça vers l'arrière. Ouais, je pense que je suis bien en vrai. Si je réussis à passer avant lui à l'impérial. Parfait. Ça, c'est en train de taper.
Ouf. Ouais, ça m'a l'air win ce game. Je vois mal ce qu'il veut faire. En fait, je vois mal ce qu'il peut faire. Surtout que j'arrête pas de le push avec...
Nice! Nice! C'était chaud! Ce fut chaud. Je pensais pas arriver à m'en sortir en fait sur cette map avec cette cible, mais en vrai je pense que son truc. Non, vous entendez pas le son du jeu? C'est quoi cette merde? Je comprends pas pourquoi vous entendez pas le son du jeu. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, je fais...